À l'aube de l'an 2000, elle vivait comme en 1900. Elle s'appelait Joséphine, elle habitait sur les bords de l'Albarine. Elle habitait une maison bien délabrée, entre Tenay et Saint-Rambert en Bugey. Elle vivait comme on vivait dans le passé, sans eau courante, sans électricité. Comme en 1900 elle était habillée, un châle, un tablier, des sabots aux pieds. Elle vivait en accord avec ses idées, refusait simplement la société. Et elle avait encore son linge dans l'Albarine, elle faisait encore sa lessive dans l'Albarine, la Joséphine. Elle faisait la cuisine sur un grand foyer, un vieux godin qui était toujours allumé. Elle mijotait dans des plats tout cabossés, les recettes dont elle avait le secret. Elle passait toutes ses journées le dos courbé, penchée sur les légumes de son potager, et les fruits de son labeur ainsi récoltés, sur le bord de la route elle les vendait. Et elle avait encore son linge dans l'Albarine, dans l'Albarine. Elle faisait encore sa lessive dans l'Albarine, la Joséphine. Et elle avait encore son linge dans l'Albarine, dans l'Albarine. Elle faisait encore sa lessive dans l'Albarine, la Joséphine.